Hello, il est. T'appelles au code de maman, après qu'on est. 9h30, je me suis réveillée vers 9h. Enfin, non, je me suis réveillée vers 8h40 et quelques, après je me suis endormie. Et 9h15, il y a le livreur qui m'a appelé pour mon colis. Je vais vous montrer. C'est un colis Woman's Best. Déjà, je vais aller essayer l'ensemble que j'ai reçu. Parce que je voulais me peser aujourd'hui aussi. Je me pèse pas souvent, mais. Mais là, on va aller se peser. Voilà. Du coup, voilà, j'ai essayé l'ensemble. Il est un peu bordeaux, on va dire. Ils ont changé le derrière des brassières. Avant, c'était des genres de filets. Maintenant, c'est ça. Et voilà. Franchement, il est beau. J'aime beaucoup. J'adore leurs ensembles. Franchement, ils sont trop bien. Ils sont hyper confort et tout. J'ai pris le haut et le bas en S. Le haut, j'aurais presque pu prendre en M, mais bon, ça va. On va mettre un sweat parce qu'il fait pas chaud. On va petit déj. J'ai plus de jambon pour me faire mes petits pains là avec jambon, œuf et tout. Du coup, je vais me faire une grosse crêpe parce qu'il me reste une banane qui est pas très belle. Et on a fait un drive de course, donc on va aller chercher des courses tout à l'heure. Faut absolument que je change mon frigo. Il a fait de côté la porte, mais je me suis pas trop renseignée sur comment il fallait faire. C'est un peu la dèche dans le frigo. Hop, petite banane. Et j'ai toujours pas retrouvé mon truc pour écraser les bananes. Je vous ai déjà montré 1000 fois la recette. Hein. Bon, ma crêpe, elle est cuite. Hop, sur l'assiette. Là, ce que je suis en train de manger, j'ai commencé Anaka 3. J'en ai deux. Paire de pois et brûleur de graisse. Paire de pois, c'est celui que je suis en train de manger. Et brûleur de graisse, c'est celui-là. Ils sont trop bons, ça a le goût un peu de bonbon au coca, je trouve. Je prends ça aussi, Juvamine, vitamine C et tout, pour me mettre un peu en forme. Et surtout de chocolat, tu le manges. Après, j'ai mis de la noix de coco râpée dessus. Et voilà, un délice. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris sur Woman's Best. J'ai pris deux nouveaux pré-workouts. Ça, c'est ce que je prends avant la salle. J'ai pris Tropical Ice et Sweet Peach. Moi, celui que j'adore, c'est celui à la pastèque, mais. Et puis on stocke depuis un moment, ça me saoule. Et des BCAA, donc ça je prends pendant la séance. Coconut mango. Cette fois-ci, pastèque. Et offert, il y avait deux barres là. Deux Smart Bars. Blueberry White Chocolate. Donc chocolat blanc avec des blueberries quoi. 40% de protéines. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Écoutez, à goûter. Hein. Le pré-workout, j'ai envie de tester lui là, Tropical Ice. Ouais, parce que moi en pré-workout j'en avais un de chez. Mais c'est quoi la marque? C'est ça, mais je l'avais acheté chez Fitness Boutique et là c'est la fin. Et pareil, mon BCAA c'était pastèque, je l'avais acheté chez Decathlon. Pas trop cher et vraiment bon. Mais pareil, c'est la DH. J'ai fait le petit stock. Déjà, ça sent bon. Faut pas sentir de trop près, sinon tu vas en aspirer dans ton nez. Essaye de récupérer la cuillère. Et après, je pense en BCAA pour la salle, je vais tester mon coco. Je mets pas beaucoup d'eau parce que ça, il faut boire avant la salle. Donc si je bois déjà 500 ml d'eau. Après, on va dire pipi pendant la séance. Vous savez, ça a le goût de quoi? Attendez, un truc à la coco. Ça a le goût, vraiment le goût d'un truc que je connais.
C'est un peu le goût du yaourt coco. Pas la texture, hein, parce que c'est vraiment liquide comme de l'eau. Mais le goût, c'est super bon, j'adore la coco. C'est incroyable. Oh, hier, il y avait un relou à la salle. Je filme pour que je goûte ça. Donc, si tu dis des bêtises pareilles, t'as mis ça sur YouTube. Oh, on dirait un jus. Quoi, on dirait du jus d'orange. Non, alors, on dirait pas du jus d'orange. Mais... ton jus d'orange, il a cette couleur, frérot. C'est non, mais on dirait les... jus d'ananas. Comme les trucs, là, comme les Tropicana et tout. Non, ouais, mais non plus. Tropicana, c'est plus clair. Là, on dirait que c'est dopé comme du cul. Non, non, c'est de l'ananas. Ça a le goût de... Ça a le goût de quoi? Pareil, un jus d'orange un peu dilué à l'eau, là. Genre mais... Tropicana? Non, pas d'orange, un jus de fruits. C'est trop bon. Bah, fais goûter. Goûte. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah, j'en veux. Non. Allez, balance, chacun. C'est lui, là. Non, en vrai, par contre, il est hyper bon. J'adore. Mais j'ai trop bien choisi. Ils sont tous trop bons, pour l'instant, ceux que j'ai goûté en tout cas. Je suis rentrée de la salle, je vous ai pas trop filmé, j'ai pensé qu'à mon dernier exemple de vous filmer. Au final, mon thé est mélangé. Bah non, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Deux trucs de pain de mie parce qu'on en mange beaucoup. Du jus de citron. Des pâtes complètes. Mandricoise. Des chili. Il y avait ça aussi. Des tortillonis. Du red side. Je vais goûter les barres protéines là de chez Carrefour. Je savais même pas qu'ils faisaient ça, j'ai vu ça. Il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Et une barre, ça fait 32. Ok, il faudra que je scanne le truc pour voir ce que ça donne. J'ai oublié du pesto rosso, du maïs et du thon. Parce que ça, c'est notre base de nos collations avant sport. Voilà, peut-être le surgelé déjà. Ça me paraît être intelligent. Oula. Ça, vous voyez la forme que ça. Ça veut dire qu'ils ont mal respecté la chaîne du congelé. Si ça a une forme comme ça et que ça bloque, ça c'est pas bien. Pas bien Carrefour. Bref, c'est des légumes pour wok. Des épinards, des poivrons. J'ai pris ça, j'adore les crêpes jambon et mentale. Hein. Des steaks 5% et des haricots verts. J'avais testé, c'est la marque le truc pas cher là de chez Carrefour. Donc à voir. On va tester parce que je prends jamais ceux-là d'habitude. Oui, je prends ceux-là d'habitude. Désolée. J'ai eu un petit problème. Ah, mais il a retenu le poireau. Ah, on aurait pu faire des poireaux. Poireaux. Saumon, non? Ah, ouais. Attendez, on change. Je vais laisser ça au frigo, ça décongèlera tranquillement pour un prochain repas. Des yaourts, j'en ai pris que 4, des yaourts nature comme ça, parce qu'on va les faire les prochains, les yaourtières. Bifidus coco, ma base. Les skirs, carré frais. Oh, j'aurais dû lui dire d'en prendre deux parce qu'on en mange beaucoup. Le jambon, ça c'est ma base, mon petit-déj et la crème de soja. On a aussi des œufs. Je sais qu'il ne faut pas forcément les mettre au frigo. Généralement, je les mets au frigo. Qu'est-ce qu'il a pris des carottes? Moi j'aime pas trop les carottes. Des pousses de soja. Des oignons rouges, mais il faut qu'on fasse le tri dans ces oignons là. Et nous avons des bananes. Le jus de citron pas ouvert, ça se met au frigo. Du lait entier pour faire les yaourts.
saumon, oignon, poireau, avec des petites herbes et la crème et du citron. J'arrive plus. Là, je vais prendre un petit bain. Donc, je vais choisir une petite bombe de bain. C'est quoi ça, des paillasses? On va prendre ça. C'est Silver Bells. Donc, du coup, c'est une petite cloche à paillettes. Et ça, c'est tombé. Du coup, il va falloir que je renettoie le mur et que je remette. Mais je sais pas si vous voyez. En fait, c'est des carreaux qui sont pas tout à fait plats, qui sont un peu en relief. Et du coup, je pense que ça sent pas bien. Mais du coup, c'est trop chiant parce que ça fait un petit trait sur un truc de la baignoire. Voilà, j'allais dans mon petit bain. Je vais me faire gommage, masque et tout le tralala. Et je retrouve après. Bon, les gars, je suis sortie de mon bain. Je me suis séché les cheveux. Absolument personne. Est-ce que ça, ça intéresse personne de voir ta tête non plus? Si, parce que les abonnés, à chaque fois qu'ils arrivent sur le live, ils font oh, c'est Valentin! Ils sont trop contents de me voir, donc ta gueule. Tu pars meilleur. Ouais. Voilà, allez, le karma. Et Valentin, il va aller acheter des diluants pour qu'on puisse s'hydrater. Voilà, parce que l'hydratation, c'est très important. Oui. Elle a fini avec le sèche-cheveux? Non. On va passer des coups de fil tranquillement, quoi. Ah, tu passes un... Le téléphone, il m'a dit quoi? C'est quoi le clown que j'ai entendu derrière? Quand t'as gueulé dans le couloir, c'est pas trop compliqué. J'ai rien dit, c'est moi qui bois. Mais pourquoi moi j'ai pas vraiment un chou-fleur? Bon, les gars, ça y est, je suis maquillée, mais bon, on est dehors, du coup, la lumière n'est pas ouf. Attends, faut une baisse pour qu'on boit. Yo, les gars, elle est maquillée, ça y est. C'est moi bien pour le vlog. Tu fais un bruit. C'était un bisou inversé, on le fait. Comme les bébés. Bon, tu sais quoi, finis mon verre pour ça. Hein? Finis mon verre pour la peine. Je crois que tu m'avais dit finis mon verre, les dents. Depuis quand il donne de l'alcool à quelqu'un d'autre au lieu de boire? Du vent et de la pluie, je vais pas prendre d'alcool. Un rat pareil. Le lendemain du nouvel an. Il fait trop froid. Hi everyone, give her a bite for your video. Je peux pas, je promets que je sois avec la musique. Est-ce qu'il passe sur mon manche là quand même? Oui, oui, passe. Mec, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Tiens. Hein? Pierre, il me dit pas bonjour! La meilleure pour la fin, c'est ça? Exactement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et hello les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes garé au parking, vous étiez bloqué, genre à un certain prix. Eh, parle vite, il fait froid, parle vite. Bon, vous voulez aller à de ville, c'était complet. Et pile quand je passe devant, libre! Paf, libre, on est rentré, la place devant, il fait froid 50. J'ai juste un petit blazer, je crois. Mais ça va, nous y sommes. Et une belle œuvre de Pana, t'es même pas Michtona. Je parle. Bye bye, Pouce Montaigne. Fais un petit tour, Val. Mais non, fais un vrai non. Petit tour, Val. Fais un vrai petit tour. Waouh. Ça va ou quoi, Thibaut? Oh, personne ne peut parler espagnol avec moi. Moi, ça va, et là, ça va la noche. Nous? Bah, moi, je rentre, tu me laisses la voiture. Non, je te laisse pas la voiture. Bah, tu m'en veux. T'as tes clés? Non. Bonjour à tous. Bonsoir. Nous sommes sortis de la soirée limite. Où allons-nous? Au hasard. C'était très bien. On va voir Moziman. En vrai, c'était ouf. C'était super. T'as bien aimé? J'ai adoré. C'était la première j'ai adoré soirée le limite. Le petit jeu limite. J'ai fini à poil en à peu près 2 secondes. C'était très bien. De toute façon, il faisait chaud, fallait se déshabiller. Exactement. Hein. Voilà. Maintenant, soit on va aller au hasard, soit peut-être on va aller au doc. Mais déjà, on va aller par là-bas. Mais c'est... on les connaît pas, eux. C'est qui, eux? Mais je sais pas, tu leur as dit on va là-bas, mais tu les connais pas. Concentre-toi, Pierre. Hello, petite conclusion. Nous sommes le lendemain. Vous voyez les cadavres de bouteilles qui traînent sur la table. Il est 11h, bientôt 25. Et je me suis mise déjà en tenue de sport. Parce que j'irai à la salle tout à l'heure. Pas tout de suite, je pense. Mais il y avait la galette de 10 à 14h. Faut que je vois. En tout cas, je me mets en sweat parce qu'il fait pas très chaud non plus. Et je vais petit déj, voilà. Je sais pas ce que je me suis fait hier, mais j'ai mal au coude. J'espère que ça va aller pour faire la séance. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour un prochain vlog.